Nicolas Desplans, j'ai 34 ans et j'habite le quartier de Montrouge-Est depuis un peu moins de 6 ans maintenant. Mon projet pour les budgets participatifs montrougiens consiste à installer en fait un radar sonore dans le but de verbaliser les véhicules trop bruyants qui circulent dans la ville. Donc à Montrouge, effectivement, il y a déjà eu un radar sonore dit pédagogique qui a été installé avenue Jean Jaurès. Et donc l'idée, effectivement, est de passer à une vitesse un peu supérieure dans les mesures pour inciter à limiter la circulation des véhicules bruyants dans la ville. L'idée, effectivement, ce serait de repérer donc, les rues passantes où les riverains sont gênés de manière récurrente en fait, par la circulation de ces véhicules pour installer un radar et espérer avoir des résultats en termes de tranquillité et d'apaisement de la circulation. Oui, donc cela pourrait être fait via des remontées par les riverains ou alors par les services techniques de la ville qui pourraient, à l'aide de dispositifs de mesure, récolter des données pour identifier les axes les plus bruyants. Donc l'intérêt pour les Montrougiens, en fait, serait de juste de diminuer la circulation de ces véhicules-là, de retrouver une certaine tranquillité dans la ville, notamment pour les journées de canicule, où on espère tous pouvoir dormir un petit peu la fenêtre ouverte, et ce qui, n'est, pour la plupart des gens actuellement, n'est pas possible, en raison de ce manque.